Sauf catastrophe majeure, la princesse Charlotte de Cambridge n'héritera pas du trône d'Angleterre. Ce qui lui laisse une certaine liberté. Contrairement au prince George de Cambridge, 8 ans, qui porte sur ses épaules certaines contraintes en tant que futur roi. De nature très gentille, la princesse Charlotte, 6 ans, va tout de même disposer d'un titre très convoité. Il s'agit d'un titre que la reine Elisabeth II d'Angleterre, 95 ans, n'a décerné à personne jusqu'à maintenant. On parle du titre de princesse royale. Un titre dont la fille de Kate Middleton, 40 ans, héritera automatiquement une fois que son père, le prince William, 39 ans, sera sur le trône. Cet héritage n'est, d'ordinaire, pas protocolaire. Seulement, cette exception sera faite suivant les vœux de Sa Majesté la Reine Elisabeth II d'Angleterre. En temps normal, ce titre est attribué aux sœurs des futurs monarques. La princesse Charlotte de Cambridge ne devrait donc en hériter qu'une fois que le prince George de Cambridge sera sur le trône. Seulement, cette fois, la sœur du prince Louis de Cambridge, 3 ans, héritera de sa grande tante, la princesse Anne, 71 ans. Cette dernière disposera de ce titre une fois que le prince Charles, 73 ans, sera couronné roi. La princesse Charlotte de Cambridge va avoir un titre qui sort de l'ordinaire, autant le dire, le titre de princesse royale n'est pas un titre mondain. D'ailleurs, il a été instauré afin d'imiter le titre royal français de Madame Royale dans les années 1600. Véritable privilège, il ne peut être porté que par une personne à la fois. En outre, selon le protocole, la princesse Charlotte de Cambridge, 8 ans, ne pourra sûrement porter ce titre qu'après la mort de la princesse Anne. Depuis 5 siècles, ce titre n'a été porté que par 7 personnes seulement. Un titre qui ravira sûrement la petite princesse de Cambridge encore âgée de 6 ans quand le moment sera venu. Jusque-là, la fille du prince William et de Kate Middleton pourra profiter de sa vie de petite fille de la haute société.